Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la carrière avec l'Olympique Lyonnais. C'est Kim Perio. On se retrouve aujourd'hui pour le début de la saison de Ligue 1 après l'intersaison. On s'était laissé hein, sur ce match, ce cruel match face au PSG là, avec la malchance qui nous a bien frappé dessus, les blessures, les machins, les trucs, etc., etc. Et on va essayer de d'oublier un petit peu tout ça, puis de remonter la pente et de bien commencer la saison en Ligue 1. Donc match aujourd'hui face à Lorient et 6 jours plus tard face à Lille. Entre-temps, on n'a pas eu vraiment d'update particulière. Le retour de certains joueurs de blessure, donc Cherki que j'ai envoyé jouer avec la réserve. Bragança aussi que je vais mettre titulaire, mais qui est évidemment sur le retour. Et puis sinon, Maffeo aussi, hein, qui est toujours en phase de reprise. Mais vu que Malo Gusto est blessé, j'ai pas 10 000 solutions, donc il va jouer. Et puis si jamais ça tourne au vinaigre, on va évidemment essayer, enfin c'est pas essayer, on va le sortir, on va faire entrer Bartosz Talar, notre ami polonais. Sinon, la saison a commencé, hein, il y a déjà eu des matchs. C'est ici que je voulais cliquer. Donc il y a eu déjà Paris qui a gagné 3-0, Rennes qui a battu Lille, je pense, 2-0. Puis Marseille, Nice qui ont fait match nul et victoire de Strasbourg sur Guingamp. On attend toujours également le tirage au sort de la Ligue des Champions qui devrait intervenir bientôt. Ok, 2-1 à Strasbourg d'ailleurs. Donc voilà, nous, ça, on va jouer pendant le multiplex hein, face à Lorient. Donc on est parti, hein, écoutez. Il me propose des changements, non, moi je pense que on va rester, on va faire confiance à Baptiste Amendy pour ce match à domicile. Je pense que c'est le bon choix versus Thiago Mendes. Et puis on va y aller comme ça. C'est parti. Nouvelle doublette en attaque hein, du Giroud-Boadu. Hein, ça va être la doublette en attendant le retour de Moussa Dembélé qui va nous revenir. Évidemment, concurrencer un petit peu ces deux joueurs-là. Mais là, ouais, grosse blessure, donc on a été obligé de recruter Olive. Et puis voilà, quoi. On va espérer que Olivier Giroud puisse nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et on est parti. Pas besoin de regarder outre mesure. Boadu. Paqueta. Paqueta qui va trouver Maffeo. Bragança en profondeur. Boadu, ça va être trop long. À domicile, normalement, premier match de la saison, je m'attends à une victoire convaincante avec la manière. Là, on n'a pas vraiment d'excuses. Là, Maffeo qui a déjà pris un jaune, on va juste aller lui dire de se calmer un petit peu, hein, parce que on n'est pas là pour prendre des rouges. Idéalement, le dégagement de Nardi. Oh, attention, Mofi qui va trouver Oudboz. Ok, oui, la bonne récupération là, de qu'est-ce qui se passe? Non, non. Ok, c'est bon dessus. Ok, c'est bon. Bon, ça commence moyennement, on va dire. Moyennement. C'est Lorient qui a les occasions. Oh, peut-être là-dessus le coup franc de Guerrero. La tête de Delayet. Aïe, aïe, aïe. C'est au-dessus. C'est au-dessus. On va demander un petit peu plus. Là, ça fait 10 minutes. Il n'y a pas d'occasion que ça. Oui, les gars, faut se réveiller là. Ouais, c'est très moyen. C'est très moyen. C'est vraiment très moyen. C'est ce qui est bizarre d'ailleurs. On a fait des matchs amicaux vraiment avec énormément d'occasions. Très, très, très offensif, hein, un peu comme l'année dernière, mais encore un plus convaincant. Giroud, ah, il va se faire reprendre, mais ça va revenir à la Denayer. Disasi. Cacré, Paqueta, Giroud, qui va trouver Guerrero, le centre de Guerrero, Boadu, l'arrêt de Nardi, aïe, aïe, aïe. Advíncula, la touche pour Mofi. Advíncula, qui n'était pas attaqué qu'à trouver Mofi, avec Lefebvre. Advíncula, Lefebvre, qui va trouver Mofi. Attention, Lefebvre, Advíncula. Allez, l'orienté, hein, qui prennent leur champ. Oh, la récupération de Baptiste Amendy, super. Ça va être un contre avec Olivier Giroud qui va lancer Marion Boadu à la profondeur. Boadu, la vue au centre tout seul. Paqueta! Lucas! Quel dommage de rater ça. Récupération Guerrero. Cacré. Giroud qui va trouver Boadu.
Dis ça, c'est Guerrero, Cacré, Olivier Giroud. Aïe, 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 Gigi. Ouais, c'est un peu plus convaincant. Il y a un peu plus d'occases, mais ça rentre pas, ça rentre toujours pas. Ah ouais, on va demander encore plus là. Je comprends pas. On n'est pas aussi tranchant que d'habitude. Je comprends qu'il y a pas mal de changements, mais, je m'attendais quand même à mieux. Je suis un peu déçu. Guerrero, Cacré, Giroud, Guerrero, qui a trouvé Cacré, Guerrero. Ah, il essaie de déborder, il va réussir. Bois du deuxième poteau qui va récupérer le centre. Il n'y a personne qui était là pour couper, c'est un scandale. Denayer, Cacré, Bragança. Ah oui, l'ouverture vers Rafa Guerrero, le centre. Olivier. Oh, mais l'arrêt de fou furieux du gardien, c'est pas vrai, quoi. Fallait que ça tombe sur nous comme par hasard. C'est Oliver Kahn, le mec. Pff, allez. Le fait. Mofi, Advíncula. Ah, mais dites pas qu'on va encaisser là-dessus. Non, 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 non. Eh, oh, FM, on va se calmer là avec la dégueulassité là. Un peu de respect pour le travail là. Un peu de respect pour le travail qu'on est en train de fournir là quand même. On va pas nous faire encaisser là-dessus. Oh, la belle ouverture de Cacré pour Rafa Guerrero. Giroud, olive, olive, olive. Le tir et ça va aller en corner. Que va tirer l'ami Rafa Guerrero, bien tiré. Premier pote. Dégagé par Mofi, ça va être récupéré par Guerrero là qui va remettre vers Cacré et c'est la mi-temps 0-0. Match somme toute équilibré, même si on a eu un peu plus d'occasion, mais voilà. On va leur dire. Ouais, voilà, ne décevez pas les supporters. Baptiste Amendy nerveux, on va essayer de lui parler. On va lui dire. Détendez-vous, sinon les choses risquent de marquer. Ok, bon, bah il sort. Il est démotivé, on va le sortir, on va faire entrer Thiago Mendes. Même s'il faisait un bon match, hein, c'est dommage. Mais ouais, voilà, je veux pas de mec un peu démotivé sur le terrain, donc on va faire entrer Thiago Mendes à sa place. Aussi, Rafa Guerrero. Je voulais modifier. Voilà, engagez-vous moins parce qu'il a déjà un carton, l'ami. Et puis, ma foi, si on revient dans les vestiaires, on débute la deuxième période. On va essayer d'être un peu plus offensif. Et puis voilà, c'est parti. C'est parti. Simunovic avec Laporte, Tardieu à Bergel. Récupération Maffeo, la longue ouverture. Et non, 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 non. Non, 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 non. On a du mal à trouver Paqueta, hein, j'ai l'impression, parce qu'on développe pas beaucoup de jeu. Attention, le corner le fait. L'arrêt de Lopez. Il capte bien le ballon et qui va relancer. Plus ou moins rapidement, plutôt moins. La longue balle, ça va être pris. Aïe, 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 tout ça pour ça. Le Goff. Le Goff à Bergel. La récupération Cacré, magnifique. Paqueta qui va lancer Boidu. Il est rapide, il est rapide, il est rapide. Et Nardi qui nous a fait des petites feintes, mais qui va capter le ballon. Long dégagement de Nardi. Ou attention, Bozok. Il y a première sur Boateng. Ouh, heureusement qu'il a les pieds carrés. Parce que c'était une grosse occasion là. Pas ouf. Sur le coup, attention, le corner de Lefebvre. Dégagement de Disasi. Ça va revenir là pour les orienter. Advíncula. Jens. Advíncula. Il va revenir en retrait vers Nardi. La passe pour Simonovic. Le Goff. Récupération derrière. Cacré. Ouais, mais les gars, faut jouer dans les pieds, je sais pas, quelque chose là. Construisez des actions au lieu de balancer sur du Boidu. On sait qu'il est rapide, on sait que c'est sa force, mais un peu de respect pour le football quand même. Oh là là. Oh là là. Oh là là. En parlant de respect pour le football. Aïe 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 aïe. Bon. C'est non, rien à dire. Hein. Écoutez, Mofi, Advíncula, magnifique passe en profondeur. Là, je sais pas si c'est. Enfin, en tout cas, il se passe un truc bizarre là. Et puis Abergel qui en profite. Et puis ma foi, rien à dire. Bon, il est temps de faire des changements parce que là, c'est pas du tout satisfaisant. Paquetouille. 6.4. On va le faire sortir, on va faire entrer Fèvre.
Il a fait une préparation admirable quand même, donc on va espérer que ça change quelque chose. En attaque, je suis désolé, entre Giroud et Boadu, c'est un peu Casper et Casperito. Donc, on va sortir Boadu pour du Kalimuendo. Et on va leur dire de faire la différence, parce que là, c'est pas qu'on est dans la merde, mais on est un peu dans la merde. Guerrero, le coup franc. Aïe, l'arrêt de Nardi, il est là hier, Giroud, il est là hier, il n'y a pas hors-jeu. Ouais, là, si, même moi, je le vois d'ici, donc bon. On va passer évidemment en 13 offensif. On peut pas se permettre de perdre à domicile contre Lorient le premier match. Les supporters vont déjà commencer à mettre la pression et ils auront raison parce que franchement, c'est inacceptable. Attention, Bozok Mofi le fait. Allez, les gars, oh. Oh les gars, faut se réveiller, faut faire quelque chose. Là, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est pas pro ça. C'est pas pro ça. Allez, on presse bien, mais on récupère pas, on n'est pas mordant là. Allez, peut-être non. Allez. Aïe aïe aïe. Allez, on va essayer de les motiver un peu là. Oh là là, mais il se balade, c'est incroyable. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mais c'est incroyable comment il se balade. Oh, on est dans la. Enfin, on a des gros problèmes. Hein. On a des immenses problèmes là. Je sais pas ce qui se passe, mais. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. On est mauvais, tout simplement. Je vais peut-être juste rester en offensive, parce que c'est vrai que 13 offensives, ça va peut-être nous déséquilibrer un peu. Guerrero, allez Rafa. Ancien Lorienté au passage, Disasi, Fèvre. Oh, l'entrée en jeu dégueulasse de Romain Fèvre qui va nous coûter. Non. Il a eu chaud le Romain Fèvre là. Oh là, mais quelle catastrophe. Dire qu'on joue le LOSC hein, après. Oh là. Et moi qui pensais qu'on allait se changer un peu les idées après la débâcle face au Paris. Oh là. Ah non, là c'est pas acceptable. Là. Je veux dire, il n'y a rien dans cette équipe là. Oh là là, mais c'est le Barça-Lorient, c'est pas possible. Oh là là, le 2-0, évidemment, évidemment. Ah ouais, mais ça, je le vois y venir. Ah ouais, mais non, mais c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Aïe, aïe, aïe. Oh, la saison va être longue si ça commence comme ça, là. Ouïouïouïouï. Ouïouïouï. Aïe. Bon. Maffeo, le penalty. Le penalty pour Lyon. Bah oui, le classique, l'arbitre. Si, attendez, si, siffle pas péno. Là, ça va être une très, 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 très longue saison. Ah, enfin. Enfin. C'est super. C'est super. Bien joué, là, le petit Maffeo qui vient nous offrir le premier penalty que va tirer Rafa Guerrero. Et le but. De Rafa Guerrero, premier but de la saison, le classique, le péno, on prend, on continue les gars, on continue, allez les gars, allez. Oh, attention, Advincula le fait. Allez les gars, faut me récupérer ça les gars, faut récupérer un petit peu, enfin pas un petit peu, faut ré totalement récupérer. Abergel, ouais, il se balade, l'orienté, là c'est pas normal. C'est pas normal. Attention. Attention. Ah, il faut aller chercher au moins le point du match nul là. On peut pas se permettre. On peut pas se permettre, les gars, on peut pas se permettre. Aïe, Bozok. Qui a failli mettre le 3. Hein. Et là, c'était terminé. Hein, 3-1. On va passer en très offensive là, les gars. On va essayer d'aller chercher le match nul. Mais c'est compliqué aujourd'hui, mais on n'est pas bon du tout. Mais vraiment, mais c'est scandaleux. La prestation est scandaleuse. Je comprends qu'il y a beaucoup de recrues, tout ce que vous voulez, mais non, c'est pas acceptable. Surtout quand on voit la qualité des matchs amicaux. Enfin, je ne les ai pas montrés en vidéo, mais sincèrement, la qualité était là. À la défense, là, ça me fait réfléchir. Hein. Allez, Maffeo. La clé débloquée, c'est lui qui avait débloqué la situation. Pourquoi pas une deuxième fois? Maffeo. Maffeo, allez, ça va être un corner.
Ah, j'aurais dû faire rentrer Diomandé, lui, l'excellent sur corner. Il nous en a mis pas mal depuis la saison dernière. Guerrero, ça va être dégagé. Maffeo, Cacré, Disasi. Allez, faut la mettre en Maffeo, Fèvre. Oh oui, Olive! Ah, hors-jeu, dégueulasse, dégueulasse, hors-jeu. Oh là 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 là, ils nous ont fait espérer, mais hors-jeu, je l'ai vu d'ici, je l'ai vu d'ici, mais oui, oh là là, Olive, non, bah oui, hors-jeu, on va voir le ralenti, c'est horrible ce placement, les gars, les deux attaquants sont hors-jeu, pourquoi vous restez pas sur la même ligne, attendez qu'ils tirent, oh là là, mais c'est tellement, aïe aïe aïe. Allez, on va essayer de les encourager, je sais plus quoi faire, je suis abattu là. Ah, c'est pas vrai, Cacré. Allez, bon. Cacré aussi qui a pas été sensationnel. Bon, après, les motifs d'espoir, c'est qu'il y a beaucoup de retours de blessures. J'aurais peut-être pas dû faire jouer Bragança. En tout cas, ouais, des joueurs qui revenaient de blessures un peu. J'aurais dû les. Oh oui, Giroud pas mal. Rafa Guerreiro peut-être, peut-être. Ah, mais Romain Fèvre, voilà, il se fait prendre. Et puis, je pense que ça va être la fin. Mais on va quand même espérer. On va quand même y croire. Maffeo, Bragança, Fèvre. Ah, mais il était encore en jeu. Ah, Kalimuendo. Ma compo d'équipe n'était peut-être pas la plus judicieuse en prenant en compte l'état de forme des joueurs. Et le fait qu'on est aussi au début de saison et que c'est difficile pour un joueur blessé de revenir comme ça, ma compo d'équipe était peut-être, j'étais peut-être à côté de la plaque. J'aurais peut-être dû faire jouer un Adli qui a plus de rythme qu'un Bragança qui revient de blessure, peut-être. Attends, c'est Lopez? Qu'est-ce qu'il fout? Bon, je rigole, mais c'est pas drôle. Là, on vient de perdre 2-1 à domicile, premier match de la saison, c'est pas drôle, mais. Lopez était monté, enfin bref. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis pas content. Je suis pas content. C'est une honte, c'est un scandale. J'ai pas envie de parler à la presse. C'est Urcea qui va s'en charger comme d'habitude. Franchement, c'est. Voilà quoi. C'est pas beau. C'était pas beau comme match. C'était horrible. On n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Honnêtement, je suis déçu. Je suis très déçu. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, quoi. Je m'attends à mieux. Et ce mois d'août, si les joueurs ils pensent que l'effectif ne bougera pas, écoutez, si jamais je constate que bah, y a des postes à renforcer, bah, on va le faire, hein. On va le faire. Il n'y aura pas de surprise, là. On va faire ce qu'il faut. On va faire ce qu'il faut, là. J'ai vu que la défense, franchement, des Nayers, pas rassurant du tout. L'attaque, bon, la finition, on savait que c'était un problème, mais la création d'occasion, en plus, si on se remet à avoir des problèmes au niveau de la création d'occasion, ça va pas, là. C'est-à-dire qu'il faut 15 occasions pour marquer un but, si on n'arrive pas à avoir les dites 15 occasions, bon, ben, c'est un gros problème. C'est un très gros problème. En tout cas, quoi qu'il en soit, bon, ça arrive de perdre un match, voilà. C'est juste que je m'y attendais pas. Honnêtement, je pensais que s'il y avait un match à perdre, c'était peut-être celui face à Lille. Mais on dirait qu'on va devoir faire l'inverse. Aller gagner au. Comment s'appelle le stade de Lille déjà? Mince, comment s'appelle le stade de Lille? J'ai totalement oublié. Le stade de Lille, c'est lequel? Attendez. Non, je vais trouver, je vais trouver. Oh, mais non, c'est pas vrai! De toute façon, je vais le voir à la page d'accueil, ça va me revenir. Pierre Mauroy, voilà. Bon, bref. Oui, tout ça pour dire que voilà, on va aller essayer d'aller remporter les 3 points au stade Pierre Mauroy. Lille, qui était notre bête noire l'année dernière, je me souviens, les deux matchs. Il y en a un, on l'a beaucoup dominé. Puis, on n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul. Ils nous ont crucifié, mais on est revenu au score, il me semble. Et puis par après, bon bah ma foi, ils ont eu la chance de leur vie, puis voilà, puis on a quand même réussi à gagner le match nul, mais parce que c'était un match où je sais pas, oh là 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 là. C'est pas vrai. Non, mais il y a un truc, il y a un truc. Il y a un truc, qu'il y a quelque chose, je comprends pas. Dembélé blessé.
Paquetta blessé. Cherki blessé. Bon, c'était pendant l'été, mais quand même. Enfin, je sais plus quoi faire. Braganca qui s'est blessé pendant la prépa. Malo Gusto qui s'est blessé. Pedrinho qui est out quasi toute la saison. Enfin, je sais pas quoi dire. C'est dur. Est-ce qu'on recrute pour remplacer Paqueta? C'est pour 6-7 semaines. C'est quand même. Ça veut dire on aura le temps de se faire fouetter comme il faut en Ligue des Champions avant d'avoir le retour de Lucas. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que j'ai fait au jeu, en fait. Je comprends pas ce que j'ai fait au jeu, mais il ne m'aime pas. Il ne m'aime plus, en tout cas. La première saison, honnêtement, on n'a pas eu autant de problèmes de blessures. Pourtant, on n'a rien changé de particulier, serait-ce qu'au staff ou à quoi que ce soit d'autre. Et là, on est maudit de chez maudit. Bon, bah, écoutez, on va faire avec. Hein. Aïe, 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 mais quel coup dur, Paqueta. Alors, je suis d'accord qu'il n'avait pas fait un premier match de fou furieux, mais. Mais on comptait sur lui, c'était le meneur de jeu voilà, à la lyonnaise. On se disait, voilà, retour en Ligue des Champions, c'est le moment. Il va flamber, on va le vendre 700 millions à Newcastle, je sais pas où. Et là, blessure. Blessure, 6-7 semaines, on est en août. Alors les 19, il doit rester un bon une semaine, 2 semaines, enfin bref. Ouais, en gros, test physique, Balagan chasse 75 minutes. Moi, je veux le mettre sur le banc complètement. On va faire entrer Adli. Gusto, je pense pas qu'il soit apte. Hein. On va pas le faire jouer. Guerrero, de toute façon, on n'a pas d'option alternative. Donc, Guerrero, lui, va jouer. Puis, ce sera ça. Pourquoi pas superviser Kabak? Dans le niveau de la défense, ça fait peur. Ah, mais vraiment, mais c'est pas vrai quoi. Quoi qu'il en soit. Alors, Paqueta blessé, ça va être du Romain Fèvre. On va remettre Thiago Mendes dans l'équipe. Son expérience pourrait nous aider. Adli va remplacer Balagancha. Il va revenir en métal. Et puis on attaque, honnêtement. J'ai pas d'autre alternative, mais j'aurais vraiment aimé en avoir. Hein, parce que. Ah, c'était pas fameux. Hein, ce qu'on a vu, c'était limite inquiétant. Cherki, ouais, il est vraiment pas en forme. Ça sert à rien de le prendre dans le groupe. On va le laisser reprendre avec la réserve tranquillement. On va mettre Thomas dans le groupe. Quoique, on peut laisser Braganca quand même sur le banc. Hein. Je veux dire, n'abusons pas non plus. Puis Da Silva, par contre, ouais, lui, il n'a pas été dégueu en prépa, donc j'ai confiance. On va l'enlever de l'équipe réserve, hein, du coup. Voili, voilou. Est-ce qu'on fait d'autres changements? Est-ce qu'on fait d'autres changements? Je dirais que non. Je dirais que non, mais, à surveiller. Là, je vais donner une deuxième chance, mais là, va falloir être bon, les gars. Va falloir être très bon, les gars. Va falloir être très bon. Le seul rescapé du milieu de terrain, c'est Cacré, hein. Parce qu'évidemment, c'est bien au milieu de terrain de Ligue 1, mais voilà. Montrez-moi de quoi vous êtes capable, on va le dire. Voilà, avec les bras serrés, là. Ça devrait faire son effet. Et puis on est parti hein, pour le match face au LOSC. Toujours dans leur 4-4-2 des enfers, là. Le 4-4-2 double rideau défensif qui va nous faire pas mal de mal. Disasi, Adli, Fèvre. Oh oui, la belle passe pour Myron Boisdu. Le but. Oh le croqueur. Je suis désolé, mais. Pendant la prépa, il était zéro croqueur. Là, il a la pression, il se met à croquer, c'est pas bon. Si, Fèvre, aïe aïe aïe, non, Fèvre, non.
Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Ah, comment il peut rater ça? C'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Bon, les gars, au moins on a des occasions. Bamba, Sanchez. Attention à Sanchez, Yacidji, Sanchez, l'arrêt de Lopez, sans problème. Lopez cherche une solution. Il a trouvé Disasi. Guerrero, Adli, Disasi. Adli pour Olive Giroud en profondeur pour Guerrero, ça va être trouvé par Kalulu. Moliesio, je ne sais pas, j'ai pas vu son nom. Kaison, Kalulu. La longue ouverture. Oh, il y avait du grabuge, mais on s'en sort. On s'en sort. Ça ressemblait au but. Je pense que c'est le deuxième qu'on a pris contre Lorient, donc j'avais un peu peur, mais ça va. Fèvre. Disasi. Adli, Giroud, Guerrero. Guerrero, longue ouverture vers Boisdu. Ah, elle arrête Gribitch. Oh non, pas lui. Pas Gribitch. Oh là là, c'est genre dans le jeu, c'est le cousin de Iker Casillas, c'est injouable. Adli. Ouais, Adli, il perd pas Adli. Il a perdu, non, c'est bon, il a trouvé Guerrero, Disasi. Longue ouverture vers Adli. Oh la perte de balle. Oh la perte de balle de Cacré, c'est inacceptable. Récupération de Disasi néanmoins. Mendes. En retrait vers Lopez. Disasi, faites pas les cons. Faites pas les cons, les gars. Faites pas les cons. Cacré, la belle ouverture. Pff, le track de Badiachil. Maffeo. Boisdu. Maffeo. Cacré. Maffeo. Le centre de Maffeo. Oli. Oh, yo, yo, Guerrero. Mendes. Adli. Fèvre. Giroud. Guerrero. Adli. Le but. Tiens, gros hors-jeu, évidemment. Mais bon. Oui, large. On va pas se mentir, on va pas quand se mettre à célébrer. Bon. Mais il y a du jeu. Voilà, Giroud qui a bien trouvé Guerrero. C'était juste un peu long. Juste un peu long, Rafa. Mais c'est. Dans l'idée, c'est pas mal. Dans l'idée, c'est pas mal. Au moins, il y a des occasions, hein, contrairement au match face à Lorient, où on était un peu éteint. Bamba, Yacidji. Bien joué à Lila qui a bien contré. Parce que c'était chaud. C'était très chaud. La goutte de sueur est sur le front, Bamba, dégagement de Giroud. Carton jaune pour Thiago Mendes. Voilà, le match, le rythme est un peu retombé. On va encourager un petit peu les gars. Ouais, on a un peu de mal à continuer. Maffeo, il prend beaucoup de carton, l'amigo, hein. C'est peut-être ce qui me faisait plaisir de Dubois hein, à l'époque, c'est qu'il en prenait pas tant des cartons. Évidemment, sûr que la concurrence est mal au gusto, hein, et qu'il y ait un carton par mois, par match. Si c'était par mois encore, ça aurait été acceptable, mais bref. Ouais, c'est vrai que là, c'est compliqué. On va dire de continuer sur ce rythme-là. Ça va bien pour l'instant. C'est juste que, bon, il n'y a pas le but, mais ça va. Ça joue pas mal. On est quand même, bon, relativement solide, hein, évidemment. C'est toujours fragile, mais. Ouh, le bon tacle de Sanchez. Ouh, la faute. Ça va être rouge, ça va être rouge. C'est les deux pieds en avant, évidemment. Ouh, il a chaud, il a eu chaud, le Renato. Il a eu chaud, le Renato. Parce que c'était quand même un gros tacle. Ça va tant qu'il n'y a pas de blessure, de toute façon, c'est l'important. Sanchez, justement, qui va lancer Jonathan David. Oh, Bamba! Ouais, bah là, les gars. Oh, le raté! Non, Guerrero qui l'avait laissé partir tranquillement. Ou c'est, pardon, Maffeo. Et oui, non, il rate ça. Bon, bah écoutez, tant mieux. Hein. Ou attention, Kalulu. Molerjo. Yacidji. Sanchez, Yacidji, j'ai du mal. Ça y est, Guerrero, Lopez, le don de dégagement. Badiachil. Bamba, Bamba, Bamba. Je suis perdu. Omolejo qui est parti face à Lopez. L'arrêt de Lopez, incroyable, impérial. Impérial, heureusement, parce que franchement, défensivement, là, c'est moyen. On concède pas mal, on concède pas mal d'occases. Ou attention, le coup franc de Rafa Guerrero. Ah, c'est à côté, dommage. Dommage, 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 dommage. On va en demander un peu plus là, quand même. On n'a pas encore créé d'occasion cette deuxième période.
ou le coup franc de Rafa Guerrero. Oh, c'est dévié par le mur. Ça va peut-être revenir. Ça va peut-être. Ou la paire de balles. Non, ça va. Il dégage droit. On va faire des changements, évidemment. Alors. Déjà, Maffeo est complètement claqué, fatigué. On va faire entrer Bartosz Stalar à sa place. Le jeune Polonais. Milieu de terrain, Thiago Mendes fait un match très moyen. Mais je vais le laisser. Je vais plutôt faire rentrer des joueurs un peu plus créatifs. Giroud. Ouais, ça me fait mal, mais Olive, voilà. Olive, ça marche pas. Olive, ça marche pas pour l'instant. Il y a peut-être des problèmes d'acclimatation, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Hein? Donc voilà. Et puis, on va aussi sortir Adli, puis on va lancer. Est-ce qu'on lance un jeune? Est-ce qu'on lance un jeune? La jeunesse lyonnaise va peut-être nous sauver. Allez, on va lancer Da Silva. Voilà, on fait les trois changements, on s'en fiche, on s'en fout. Voilà, on calcule plus. Là, on est plus dans le calcul. Là, on est dans le. On veut marquer. On va peut-être le regretter. Le petit clavier qui se reconnecte, tout va bien. On va passer peut-être en offensif. Hein. Oh, attendez, je vais laisser l'action se faire. Gacré. Longue ouverture vers Guerrero. Rafa Guerrero, peut-être sur le côté gauche, en retrait avec Sanchez. Guerrero, le centre vers Romain Fèvre. Ouais, mais Romain Fèvre, voilà, s'il fait des passes à Gribitch depuis le début du match. Allez, les gars, un peu plus de sérieux là. On va vraiment jamais réussir à les battre, ces Lillois. Je suis. Manquerait plus. Bon, je vais pas le dire, je vais pas le manifester dans la réalité, mais manquerait. Enfin, je vais pas le dire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Manquerait plus que FM fasse sa magie, quoi. Parce que là, si FM fait sa magie, effectivement, sur le front. Ça peut mal tourner. Ouh, 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 89. Ouh, 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 ouh. C'est un petit peu les minutes FM. Ah, c'est bon. On a eu chaud, mais tout va bien, tout va bien. Bon, ça va finir match nul, hein, évidemment. Je pense qu'on n'a pas les ressources nécessaires là pour aller provoquer la victoire. Ah, il va falloir se poser des bonnes questions. Va vraiment falloir se poser les bonnes questions parce qu'en deux matchs, honnêtement, on n'est pas fantastique. On n'est pas fantastique. On n'est vraiment pas fantastique. On n'est vraiment pas fantastique, mais bon. Ça fait un point en deux matchs. Écoutez. C'est inquiétant. Non, c'est inquiétant. C'est inquiétant, faut le dire, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Bon, il y a eu. Oula! Ouais, ok, super. On va devoir payer 1 million à Lille. Bon, bah, super, génial. Après, qui nous ait volé 2 points, on va leur payer 1 million. Bon, bah, génial. Bon. Prochain épisode, en tout cas, c'est face à Toulouse qui est dernier. Face à Brest, qui, malgré notre mauvais début de saison, qui est encore derrière nous. Hein. Bon, même si on n'est pas beaucoup plus loin, avec juste un point en deux matchs. Donc écoutez, c'est très moyen comme premier épisode, comme début de saison. Mais on lâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire, on va se reprendre évidemment. Il y aura 2 matchs, hein, comme j'ai dit, Toulouse et Brest, et après il y aura la trêve internationale. Donc on va se retrouver pour cet épisode-là. En espérant, voilà, que ça se passe un peu mieux, mais je suis quand même confiant. Je sais que les débuts de saison ne sont pas toujours évidents. L'année dernière, c'était la même chose, hein, je rappelle, juste au passage. L'année dernière, les 2 premiers matchs en Ligue 1. Bon, il y a une première victoire évidemment, mais il y a eu 2 matchs nuls par la suite. Donc il suffirait. Qu'on ait une première victoire et je pense que ça va enchaîner derrière. Donc le match face au TFC à l'extérieur sera très intéressant et j'espère qu'on sera capable
de remporter la victoire. Donc voilà, c'était Kim Perio. On se retrouve très bientôt pour la suite des épisodes. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.